Vibrations, chocs, mais aussi vide thermique, les objets spatiaux et les différents instruments qui les composent subissent de nombreux tests au sol pour garantir leur bon fonctionnement lors de toutes les phases du vol. On se prépare ici dans nos laboratoires en faisant toutes sortes de tests. On dit qu'ils sont couvrants de ce qu'on rencontrera dans l'espace. On teste au froid, on teste au chaud, on teste des rayonnements. Voilà, tous ces tests qu'on appelle des tests environnement, on les réalise sur nos instruments à des niveaux qu'on appelle de qualification de recette. Un ensemble de tests très compliqué, ça s'appelle la qualification d'un instrument spatial. Dans cette salle blanche du CNES, on ne laisse rien au hasard, les ingénieurs y reçoivent les derniers instruments et sous-systèmes. Ces équipements livrés ont déjà satisfait à une campagne de tests chez les fournisseurs, des tests fonctionnels et en environnement, représentatifs des contraintes de vol. Alors là, ici, vous voyez deux boîtiers électroniques qui sont dorés ici, qui vont être montés sur le satellite Taranis, et ces instruments ont été testés en SMEK, donc en vibration, sur un pot vibrant qui est très fort, choc avec de la pyrotechnie et en vide thermique. Des qualifications également réalisées à Toulouse. Ici, chez MécanoID, les ingénieurs de l'IRAP mènent des tests drastiques à l'aide de ce pot vibrant qui permet de simuler les vibrations lors du décollage de la fusée. On vient exciter l'instrument, donc on vient faire vibrer l'instrument à différentes fréquences et selon ça, on regarde si on a cassé l'instrument à la fin ou pas. On va vérifier qu'on arrive à allumer le laser, qu'on arrive à le contrôler, qu'on arrive à avoir une image du spectromètre, etc. Et on compare à ce qu'on avait avant, à des prises de référence qu'on a fait. Et si c'est bon, on dit qu'on a réussi l'essai. Autre test, celui des chocs. On a un plateau sur lequel on vient installer l'instrument, ici à l'arrière. Devant, il y a un maillet qui va venir taper ce plateau. Et on va transmettre le choc, du coup, à l'instrument. Donc les chocs, ça monte à 1500 G. Là, on fait 3 chocs à 1500 G par axe. C'est hyper violent. Et donc l'instrument, on le stresse au plus haut point. Et si ça passe là, derrière on est confiant qu'il n'y aura pas de souci pour l'instrument en vol. Autre équipement utilisé par les ingénieurs du CNES, cette cuve sphérique qui permet de recréer le vide thermique et de faire subir aux instruments des satellites des écarts de température allant de moins 150 à plus 150 degrés. Enfin, dernier test afin de recréer les conditions hostiles du vol, cette chambre anéchoïque qui permet de contrôler les interférences qu'un satellite peut subir dans l'espace. S'assurer du bon fonctionnement et des performances de tous les équipements est donc bel et bien indispensable. Donc là, ils sont prêts pour être montés sur la charge utile, pour être assemblés sur le satellite, et on est sûr qu'ils vont fonctionner, qu'ils vont résister au lancement et qu'ils vont résister aux conditions dans l'espace. Lorsque les tests sont passés avec succès, on dit que l'instrument est qualifié et apte au vol. Il pourra donc intégrer le satellite pour partir dans l'espace. Une fois en orbite, aucune réparation n'est possible. Le parfait déroulement d'une mission se joue donc avant le lancement.